Salut mes futurs businessmen, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo. Donc je suis désolé, il y a un peu de bruit parce qu'on est au bord de la plage, au bord de la route. C'est vraiment quelque chose de super bruyant. Mais tout simplement aujourd'hui je vais vous parler et on va faire ensemble un exercice qui va vous donner une confiance en vous mais incroyable et qui va vous booster vraiment votre confiance en vous. L'exercice il est simple et on va le commencer ensemble. C'est tout simplement de se mettre donc dans votre endroit de votre ville, je sais pas, là où vous êtes situé, l'endroit le plus touristique possible. Alors moi actuellement je suis sur la ville de Rouen et on est sur les quais. Et tout simplement c'est une zone où il y a énormément de monde. Pour gagner en confiance en soi et booster en fait votre confiance en soi, mais c'est vraiment l'exercice clé qu'il faut faire, c'est tout simplement vous situer dans cette zone touristique qui est vraiment peuplée. Et prendre votre caméra, tout simplement, prendre votre caméra et vous filmer devant tout le monde. De n'importe quoi, vous allez dire n'importe quoi, mais simplement vous filmer devant tout le monde. Donc là, en fait, je vais commencer avec vous. Donc là, ça fait déjà une minute que la vidéo a commencé. Ça fait déjà une minute que la vidéo a commencé. Et en fait, l'exercice est simple. C'est qu'on va rester à peu près, donc j'ai bien dit à peu près, 5 minutes, d'accord, 5 minutes à marcher, en fait, devant toute cette population et tout simplement parler avec vous devant la caméra. Donc là vous voyez que en fait je suis simple, je suis calme, je suis posé et tout ça, mais en fait non, pas du tout. Le truc c'est que je suis totalement flippé, mais c'est pas grave. Donc le truc en fait qui est simple et qui est compliqué à la fois, c'est tout simplement parler et vous expliquer pourquoi je fais ça. Mais ça c'est en fait j'ai dit des trucs qui n'ont absolument rien à voir, mais c'est simplement en fait pour faire l'exercice. Comme je vous l'ai dit, il est simple, c'est tout simplement prendre cette caméra, marcher devant tout le monde et parler, simplement parler. Donc là, vous allez vous dire mais en fait le gars il est totalement débile, il est totalement couillon de faire ça. Mais en fait non, pas du tout. Il faut ne jamais vous arrêter de parler, c'est ça le truc. Ne vous arrêtez jamais de parler parce que sinon bah justement voilà, les gens ils commencent à rigoler, je viens d'entendre des gens rigoler et ils vont pas comprendre en fait vraiment ce que vous allez faire. Ils vont pas vraiment comprendre, mais en fait si, ils vont quand même tilter qu'en fait bah vous avez un téléphone à la main et que vous êtes en train de lui parler. Ils vont comprendre en fait, les gens ils sont pas cons, ils sont pas bêtes, ils vont comprendre que vous êtes en train de faire une vidéo pour votre chaîne YouTube quoi. Mais les gens ils sont pas cons. Donc là en fait là je suis en train de marcher juste à ma droite. Il y a un super restaurant en fait où il y a énormément de monde. On est un samedi après-midi. Vous pouvez le voir, il y a un soleil de malade, il fait beau, il fait chaud et les gens sont en train de me regarder. Mais ça en fait, le fait de faire cet exercice là, ça vous booste un truc de malade. Là vous voyez, je suis normal, mais en fait non, je suis hyper flippé parce que je sais que tout le monde est en train de me regarder. Donc là, je suis en train de passer tout simplement devant tout le monde, caméra à la main, bloc-notes à la main, les gens ils sont en train de se dire ah ouais le gars il est hyper chaud. Et en fait je suis hyper flippé, c'est un truc de fou. Regardez le monde qu'il y a derrière moi et toutes ces personnes là viennent de tout simplement de me regarder comme je sais pas quoi, en train de se dire qu'est-ce qu'il fait. Et voilà, donc cet exercice là il est vraiment pour moi je pense que c'est le meilleur. Et là en fait pour être honnête avec vous, c'est la deuxième fois que je le fais parce que tout à l'heure donc quand j'ai voulu prendre la vidéo, j'avais mes écouteurs, donc justement pour que vous puissiez bien m'entendre. Sauf qu'il s'avère que le micro qui est sur mon écouteur ne fonctionne absolument pas, ce qui fait que j'ai parlé à peu près 10 minutes devant tout le monde et sans qu'il y ait aucun son qui soit enregistré en fait. Il n'y avait aucun son qui sortait, donc du coup la vidéo elle est totalement morte, elle est totalement ratée. Donc j'ai dû faire marche arrière, bah oui parce qu'en fait vu qu'on est sur les quais, j'ai dû faire marche arrière pour mettre contre-jour et pour pouvoir recommencer à prendre la vidéo et tout simplement à vous parler. Donc là on est à peu près à 4 minutes 30, donc il me reste à peu près 30 secondes de vidéo. Sauf qu'en fait plus je fais cette vidéo, plus je suis en train de vous parler, je sais pas si vous m'entendez d'ailleurs, plus je suis en train de faire cette vidéo, plus je suis en train de bouger et plus je me sens confiant. Plus je me sens confiant et plus je suis en train de savoir que je suis à l'aise en fait. Plus je continue et plus on est à l'aise devant les gens. Il y a même des gens en fait que je crois avoir reconnus.
des gens que j'ai reconnus. Je pense que les gens ils sont sûrement en train de me regarder, mais c'est pas grave, je suis en train de continuer à faire cet exercice et devant tout le monde qui est juste en train de me regarder, en train de me dire mais qu'est-ce qui fout. Donc là, ça y est, on a tapé les 4 minutes complètes de l'exercice. Il me reste à peu près une minute à tenir et à vous parler et à dire à peu près tout ce qui me passe par la tête seulement parce que il faut faire l'exercice jusqu'au bout. Donc là on est déjà à 5 minutes 30 à peu près. Il me reste à peu près 30 secondes à tenir, mais en fait comme je vous l'ai dit, plus je vous parle, plus je suis en train de faire cet exercice et plus je me sens à l'aise dans cet exercice là et ça prouve que ma confiance a augmenté parce qu'en fait je suis à l'aise. Plus je suis à l'aise et plus ma confiance a augmenté. Et c'est ça en fait le but de cet exercice et c'est ça qui est génial dans cet exercice, c'est que plus vous le faites, plus vous le faites, plus longtemps vous le ferez et plus vous allez être à l'aise et plus du coup votre confiance va être boostée et donc exercée. Donc ça y est, je viens de voir donc sur le minuteur que ça fait 6 minutes de vidéo. Donc j'ai fait une minute à peu près de présentation de l'exercice. Et j'ai fait les 5 minutes à parler devant tout ce monde. Il reste encore beaucoup par lequel n'est absolument pas terminé quoi. Mais je vais quand même arrêter la vidéo là parce qu'en fait je suppose que vous avez dû ne pas comprendre ou quoi que ce soit. Ou faites une vidéo qui est totalement sans intérêt parce que je vous donne quand même l'exercice qui vous permettra de booster votre confiance. Donc j'espère que quand même cette vidéo ça vous a plu et que ça vous a pas dérangé de me regarder jusqu'au bout. En tout cas, futur businessman, c'est vraiment l'exercice que je vous recommande de faire, de marcher vraiment devant toutes les personnes et dire absolument n'importe quoi. Faire comme si vous faisiez une vidéo qui est super importante, qui est super cool, mais le fait que vous ne montrez pas que vous êtes mal à l'aise, ça va vous donner une confiance incroyable. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais partager avec vous. Et surtout, n'oubliez pas, fonce dans tout ce que tu fais. Ciao, ciao. Faded in the city with my team, smoking, drinking, doing my